Bonjour, je m'appelle Daniel Girard. Je viens d'un village nommé Saint-Prime au lac Saint-Jean, le pays des Bleuets pour ceux qui connaissent sous ce nom-là. Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, mon père avait une ferme. Malheureusement vendue dans le début des années 2000. Moi, entre-temps, j'ai commencé à travailler sur la ferme laitière en face de chez nous. J'ai été étudié en gestion et exploitation d'entreprises agricoles au Collège d'Alma. Puis, suite à ça, je me suis impliqué avec mes amis que j'avais au collège, j'ai commencé à m'impliquer dans la relève régionale. Ensuite, ça fait un an que je suis impliqué sur le conseil d'administration de la FRAC. Puis, personnellement, depuis un an, je suis producteur agricole. J'ai loué une terre d'environ 33 acres. J'ai ça en location pour 5 ans. Non, présentement, j'ai un an de fête avec du sarrasin, puis je suis en démarrage, puis j'aime bien ça. L'agriculture, c'est important pour moi parce que, premièrement, j'ai toujours vécu là-dedans, puis je me verrais pas travailler dans un autre domaine, je pense. Et, oui, j'aime beaucoup quand même la mécanique, d'autres choses, mais passer ma vie enfermée dans un garage ou quelque chose de même, il me semble que j'aimerais pas ça. J'aime ça changer de job souvent, mais autant aller faire traire les vaches le matin, aller faire du tracteur tout le reste de la journée, puis faire de la mécanique au travail, faire un peu n'importe quoi. Je me verrais pas enfermé faire une job tout le temps, 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais je veux dire la même job à 365 jours par année tout le temps. Là, ça, je pense pas que j'aimerais ça. Je suis fier de travailler en agriculture parce que je pense que c'est un métier qui est noble. C'est le fait de nourrir le monde. C'est de partir de la... Tu pars de la base. Tu fais pousser ce que le monde va manger, autrement dit. C'est ce fait-là que je trouve qui est vraiment intéressant. Là.